Vous l'entendez? C'est presque rien. Un bruissement d'ailes. Tiens, ça se rapproche. Ah oui, je crois que c'est une libellule. Oui, là, là, elle vient de te passer sous le nez, tu l'as senti? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de se poser dans ton cou. Et... oui, 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 je crois bien qu'elle te chuchote quelque chose à l'oreille. Elle raconte qu'il y a très très longtemps, bien avant les téléphones, les voitures et les ordinateurs, bien avant les hautes tours, les grandes routes et les panneaux publicitaires, bien avant tout cela, elle était déjà là, la libellule. Elle avait devant elle de vastes paysages, le ciel infini et le soleil. Et elle se plaisait, la libellule, à se dorer la pilule en volant au-dessus d'un marais. Jusqu'au jour où une larve venue de loin s'approcha. Ce marais, il vous appartient? Pardon, je ne comprends pas la question. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, ce marais, il est à vous? Non, ce marais n'appartient à personne. Très bien. Dans ce cas, il est à moi. Mais... puisque je vous dis qu'il n'appartient à personne. Et moi, je vous dis que dorénavant, si, puisqu'il m'appartient à moi. Oui, je me déclare officiellement propriétaire de ce marais. La libellule n'en revient pas. Allez, sortez de chez moi. Abasourdi, la libellule ne bouge pas. Bon, si c'est une question d'argent, je peux arranger ça. Il vous faut combien pour me céder le terrain? Mais il n'est pas à moi! Dans ce cas... Non! Non, je vous dis que ce marais n'appartient à personne! La nature, ça ne s'achète pas! Non! Je ne vous permets pas! Laissez-moi! 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 Mais la larve fit chasser la libellule et assécher le marais. Elle installa sa colonie, pareille à un torrent de neige fondue, qui sort de son lit et détruit tout sur son passage.